Bonjour à tous et à toutes, c'est Julien sur jeuxvideo.fr et aujourd'hui nous nous retrouvons avec ma première vidéo de cette année 2013. Nous sommes le 1er février 2013 et je vous présente surtout une vidéo découverte de Crysis 3 multijoueur version bêta. Je découvre avec vous ce que est ce nouveau Crysis qui sort bientôt, fin février, 21 février ou 25, je sais plus, je crois que c'est le 21 février qui sort, prochain. Et comme vous pouvez voir à l'écran, c'est le même menu que Crysis 2, avec une meilleure musique en arrière-plan. Il serait temps. Alors, je découvre en même temps que vous, à mon avis, le gameplay c'est exactement le même, on va voir. Nous allons découvrir ça tout de suite. Allez, hop, on rejoint cette session. C'est parti. Est-ce que le jeu est beau? Là, j'ai tout mis à fond. Hein. J'ai mis mes touches à moi, les graphismes à fond. Il faut savoir que c'est une version bêta, même si hein, quand j'ai joué à la version bêta de Crysis 2, c'était similaire. Hein. Alors, Ranger, Sniper... Non, je restais comme ça. Mais c'est quoi cette arme? Check ça. Vu que c'est une version bêta, n'a pas grand chose. Ouais, ça. Oh putain! Mais oula, c'est aliasé là, regarde-moi ça! Il n'y a plus. Un petit bug, mais c'est pas grave. Bon, c'est parti. Alors, courir, sauter, c'est la même chose. Par contre, j'ai pas de. Non, combinaison, j'ai pas. Non. Je suis en classique alors. Bêta TDP. Il est 10 plus 10. Ah, mais ça. Attends. Je crois que je. Oh putain. Je crois savoir ce que c'est comme mode. Je crois que nous sommes l'équipe où nous avons pas la nano combinaison. C'est pour ça que je gagne des points, parce que je survis en ce moment même. Je crois que j'en ai vu un là. Là, il y en a un là. Wouh! J'en ai eu un. Énorme. Il y en avait même un deuxième. Alors eux, ils sont invisibles. Ils ont tous les pouvoirs d'un nano-combinaison à mon avis. Oh, ça fait flipper, attendez. Comment je fais pour charger? Ah, j'ai pas mis les retouches. Mais j'ai que 66 munitions, hein. J'ai pas grand chose. Et en arme, j'ai quoi? Grenade, flingue. Merde. Et je crois que j'ai une alarme sur moi. Je sais pas si vous avez entendu. Ah oui, ils ont carrément, ouais. Cette espèce d'arc high-tech. Là, je crois que nous allons changer d'équipe. On va rester comme ça pour l'instant. C'est juste pour vous montrer vite fait. Hein, c'est. C'est juste un petit test, un petit avant-goût. Alors, je vais me cacher parce que je voulais voir un truc. Ça, c'est bien moi, ça. Pourtant, je suis à fond. Ça, c'est le zoom, il me semble. On va mettre haut pour voir. Et ça, qu'est-ce qu'ils me disent? Yes. Ouais, c'est tout à fond. Ouais, ça va être un bug. Hein, du... Parce que je trouve pas plus joli que le 2. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Oh, Merde. Putain. Ouais, il y a une alarme. Pour nous dire qu'on a un ennemi qui est invisible. Ah, il reste tout constamment invisible. À mon avis, c'est leur seul pouvoir. Hein. Ah, mais j'ai changé d'équipe. Regardez-moi. Alors comment on fait pour tirer? Je crois qu'à mon avis il faut tirer pour comme dans Far Cry 3 et lancer au moment voulu. Il y en a un là. C'est pas évident. Là. Ah putain, il a eu. Ouais, là je suis à fond là. J'ai plus qu'à relâcher la souris pour tirer.
j'ai pas envie de tirer. Comment on fait pour... Merde, j'aurais pas dû. Là. Non. Ah, il y en a un qui est pas loin. Parce que j'ai... Mon radar est brouillé, c'est-à-dire qu'il y a un ennemi qui est pas loin. Mais il est où? Mais merde! Bah, j'ai eu personne, je fais chier. Alors, oui. Je voulais revenir sur Crysis 3. Alors, je m'attends rien du tout sur la suite de ce deuxième épisode. Le directeur, producteur de cette série, disait au début, après la sortie du premier, qu'il voulait une trilogie. Bah voilà, j'ai envie de vous dire. Ça va bientôt arriver. Oh, je gagne des points, enfin, ouais. Alors, je suis au niveau 49 dans Crysis 2. Il manque plus qu'un niveau pour arriver au niveau 50. Ah, ça, c'est le vote pour les deux cartes. Ok, nous avons deux cartes. Hunter et Crash Site. D'accord. Ah non, non, mais ça, c'est les modes. Aéroport et Muséum, d'accord. Alors que dans la version bêta française, nous avons eu Skyline et l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Il est un peu plus pourri. On essaye encore un coup, après je vous laisse. Hein. Comme ça, vous aurez la vidéo en bonne qualité. Mais bon, je trouve pas le jeu si beau que ça. Hein. Bon, on est en multijoueur, c'est une version bêta, faut prendre en compte. Hein. Je vous dirai tout ce que je vous aurai à dire lors de la présentation du jeu complet. Hein. Alors, ça c'est le fusil à pompe. Par contre, on peut rien choisir. On peut rien choisir. Ah, ça c'est mon... C'est mon flingue préféré, ça. C'est parti. Par contre... Ah, c'est bon, là j'y vais pouvoir, enfin. Par contre, j'ai un problème d'aliasing, un truc de fou, regardez-moi ça. Mal, hein. Nom de Dieu. C'est plus sensible, hein. Après sa sensibilité. À... Je vais essayer. Hop. Non, c'est pas assez sensible. Là, c'est bon. Alors, c'est les sites de crash. Hein. Ceux qui connaissent les sites de crash en Crysis 2. Nom de Dieu. Après, on récupère leur matricule. Avoir des bonus, c'est à dire l'armure maximum, ou on peut appeler des vaisseaux aliens ou avoir notre radar sur notre plan en bas à gauche. J'arrive pas à parler, en même temps si je parle doucement. Merde, je voulais mettre en t'es où toi. Ouais, je t'ai eu. Alors, mode invisible, d'accord. J'ai quoi? J'ai ma grenade. Flingue. Et mon arme principale. On va faire attention. Je vais même pas sur le site de crash. C'est super. Ah, là, là. Foiré, je vais t'avoir. T'es où? Ça va tellement... Je connais même pas la carte aussi, hein. C'est dur. Hein. Quand on connaît pas le plan. Je crois que j'en ai vu un. Où es-tu mon pote? Ah, il est là. Je vais lancer une petite grenade. Bon, j'en ai eu un. J'en ai eu un. Je suis combien? 512. Je suis troisième de mon équipe. Ouais, ça reste pareil après. Bon, ça, c'est les mêmes modes qu'on a eu dans Crysis 2. Ça, c'est pareil, gameplay, graphiquement. Pff, ça change pas grand chose. Hein. Je suis désolé de le dire. Putain, j'ai eu personne. Allez, hard. Putain, oh, j'ai vraiment du mal. Hein. Bon, si je parle. Pas trop fort, c'est que j'ai un petit mal de gorge.
J'ai pas la grippe. Mais j'ai un petit mal de gorge. C'est tout. Donc, je parle doucement. Oh putain, coup de crosse, je sais. Ah, c'est là, c'est ça, coup de crosse. Alors, dans la première version bêta, le coup de crosse. Tout de fou. Un coup de crosse, c'est bon, et tu le butes, le mec. Ouais, je t'ai eu. Et après, il y avait la vision nocturne aussi. La vision nocturne. Pouah, c'était chiqué, c'est dans la version bêta. Après, ils ont dû corriger dans la version finie. En fait, dans la version bêta, la vision nocturne, on pouvait le voir, mais loin. Allez, coup de crosse. Allez, viens, mon pote. Mais c'est trop sensible, j'arrive pas à jouer. Hein. J'arrive pas à souffler. Ouais, souffler, à jouer. Allez, encore un. Oh, mais je suis trop fort, ça. C'est bon. Ah, c'est bon, j'ai le radar. Maximum ladder. Allez, faut qu'on les rate. Putain, c'est dur. Hein. Ma souris est trop sensible. Contrôle, c'est contrôle. Voilà. Merde. Mousse. C'est quoi si je fais ça? Ça, j'ai plutôt à augmenter la sensibilité. C'est comme ça pour voir. Yes, appliqué. Là, c'est chiant. Il a juste sa sensibilité qui a changé par rapport du 2, sinon c'est pareil. mousse. Hop, on va laisser comme ça. Voilà. Alors, et les arrière-plans, est-ce que c'est juste... Merde, oh non, ça... Ils vont gagner. Hop, j'ai un souvenir d'un chip où je connais pas. Qu'est-ce qu'il faut là lui? Ça me rappelle Crisis 1, ça. Ah ben non, il grappe avec une main. Putain. J'ai attribué les boutons mais pas comme dans Crisis 2 alors. Je perds un peu l'habitude. Maximum radar, passer c'est 4. Super. J'ai quand même rien perdu depuis Crisis 2. T'es où mon pote? J'ai du mal à jouer. Ouais. Bon, il reste 3 minutes. Je vais vous laisser après cette partie. C'était pas très palpitant, hein. Je vous l'avoue. Mais je. Personnellement, je m'attendais. Je m'attends pas à une tuerie, hein, sérieux. Ah, putain, je connais le truc. Merde. Vu ce que j'ai vu sur internet, les vidéos, ça va être sûrement. Merde. Oh putain. Ils vont sûrement corriger les défauts de Crisis 2, c'est sûr. Mais voilà quoi, c'est. Ah putain, coup de crosse, j'ai oublié de coup de crosse. Ils ont cette espèce d'arc là. Je sais plus son nom exactement.
En plus, l'histoire... Oh putain, ils sont plusieurs là. Oh. En plus, j'ai commencé à décrocher l'histoire de Crisis depuis le 2, quoi. Bon, je sais que le premier... La première histoire du premier, c'était pas non plus... Voilà, quoi. Exceptionnel, j'ai envie de vous dire. Hein. Allez, crève, c'est bon, je t'ai vu. C'est eux qui sont mauvais ou c'est moi qui est bon? On dirait que j'ai touché toute ma vie. J'ai presque 4 pourtant. À mon avis, je peux pas le faire parce que... Je suis... Putain, il y en a un là. Il y a... Ouais, mais c'est vraiment trop dur. La sensibilité change, hein. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Et encore une fois, graphiquement... Wow. Une minute, allez. Encore une minute et je vous laisse. Après on se retrouvera pour la présentation du véritable jeu, version complète et du multijoueur. Hein. Je vous dirai ce que j'en pense. Là je peux pas vraiment vous dire... pas vraiment vous dire maintenant, c'est trop tôt avec un flingue, tous vous tuer les mecs. Merde, merde, merde. Ah bien joué, bien joué. Attends, attends, mais une seconde. Putain, mais je suis presque premier quoi. Non, je suis presque premier. Oh putain, la grenade. C'est bordélique. Hein. On a fini. Et il me semble que je... Voilà, je suis troisième. Pas mal. Pour une première fois. Pas mal du tout. Voilà quoi. Je vais pas vous dire ce que j'en pense, hein, réellement. Je vous dis juste que je... J'attends pas une tuerie à ce Crisis 3, franchement. Surtout la campagne, l'histoire. Peut-être le level design, ça va être plutôt pas mal. Ça fait toujours son effet. La jungle dans une grande ville telle que New York, même si on a déjà vu ça. Dans. Comment s'appelle le film là? Je suis une légende. Ça sera un monde ouvert, il paraît. On verra. On verra. Là, je vous dis rien, c'était juste un petit avant-goût. Dire que ça m'a pas palpité, un truc de malade. Hein. Enfin bon, voilà. Voilà. Pour tout vous dire, après cette vidéo, je vais pas y rejouer, hein. Ça me donne pas envie. Ça fait peur. Bon, on verra. De toute façon, je vais me le prendre sur PC, bien sûr. Et on verra bien. Allez, c'était ma première vidéo de cette année 2013. Prochaine vidéo, ce sera ma présentation sur Far Cry 3. Je vous dis ciao et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur jeuxvideo.fr.